All rise. Excellences, c'est avec un plaisir que je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue en cette cérémonie de prestation de serment du nouveau procureur élu de la Cour pénale internationale. La CPI d'aujourd'hui est très différente de la CPI de juin 2003. Lorsqu'a eu lieu la première cérémonie de prestation de serment du procureur. En effet, la CPI est aujourd'hui une institution pleinement opérationnelle, sous-tendue par le système du statut de Rome et qui protège les peuples de ses 121 États membres contre les crimes les plus graves ayant une portée internationale. La CPI a par ailleurs gagné la confiance de l'ensemble de la communauté internationale au-delà des États parties. Cependant, nous devons reconnaître les lacunes et les obstacles qui demeurent et réaffirmer notre engagement en faveur d'un renforcement de ce système en évolution qu'est celui de la justice pénale internationale. Assurer la pleine coopération des États avec la Cour, continuer à œuvrer en faveur de l'universalité du statut de Rome, renforcer la capacité des juridictions nationales à dissuader la commission d'atrocités et donner à la Cour les moyens suffisants pour s'acquitter à bien de son mandat. Voilà quelques-uns de nos défis. Avec le prononcé du premier verdict de la CPI plus tôt cette année, nous avons également entrepris un exercice de bilan tendant à améliorer l'efficacité de la procédure judiciaire dans son ensemble. Au moment où la CPI commence la deuxième décennie de son existence, dans une conjoncture très active et très difficile, nous avons la chance d'avoir avec nous Madame Fatou Bensouda, qui aura la charge du bureau du procureur. En effet, Madame Bensouda possède une vaste expérience judiciaire, acquise pendant de nombreuses années de travail assidu et dévoué à la CPI et dans le cadre de ses fonctions qu'elle a exercées précédemment. Élue par consensus, elle assumera son nouveau rôle avec le soutien indéfectible de la communauté internationale. Je suis sûr que sa voix forte et indépendante, sa compétence juridique
et son attachement sincère aux questions touchant les droits de l'homme contribueront considérablement à la lutte contre l'impunité. Je souhaiterais également saisir cette occasion pour remercier le procureur sortant, M. Luis Moreno Ocampo, qui se trouve ici avec nous aujourd'hui. Je voudrais le remercier pour son travail assidu au fil des années. Étant le premier procureur de la première Cour pénale internationale permanente, cela a dû être une tâche monumentale et sa contribution à la Cour laissera sans doute une empreinte indélébile dans l'histoire de la justice pénale internationale. Excellence, en application de l'article 45 du statut de Rome régissant la Cour, avant de prendre ses fonctions, le procureur, tout comme les juges, le procureur adjoint, le greffier, ainsi que le greffier adjoint, doit prendre en séance publique l'engagement solennel d'exercer ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience. La présidente de l'Assemblée des États-partis attestera la prestation de serment. Les juges, le procureur sortant, le greffier, ainsi que le greffier adjoint sont également présents aujourd'hui. Avant de prendre l'engagement solennel, j'invite la présidente de l'Assemblée des États-partis à présenter le rapport de l'élection du procureur. Thank you, Mr. President. Excellent. Je vous remercie, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur particulier pour moi de représenter l'Assemblée des États-partis à l'occasion de la prestation de serment du nouveau procureur de la Cour pénale internationale, Madame Fatou Bensouda. Permettez-moi tout d'abord de dire un mot de la procédure mise en œuvre par l'Assemblée et son bureau dans la perspective de l'élection de Madame Bensouda. L'Assemblée était déterminée à trouver le meilleur candidat possible pour ce poste clé. Dans cet esprit et s'appuyant sur la résolution pertinente de l'Assemblée, qui indique par ailleurs qu'elle souhaite que les présentations des candidatures bénéficient du soutien de nombreux États-partis et qu'il convient de tout mettre en œuvre pour élire le procureur par consensus, le bureau de l'Assemblée a mis en place un comité de recherche afin de faciliter la nomination et l'élection par consensus du nouveau procureur. Les membres du comité de recherche y ont siégé à titre personnel. Le comité de recherche par consensus a établi une liste de candidats. Chacun des quatre candidats présélectionnés s'est exprimé devant les États-partis qui ont pu poser des questions et dialoguer avec les candidats. À l'issue des consultations informelles qui ont suivi entre les États-partis, un large consensus s'est dégagé en faveur de la candidature de Mme Fatou Bensouda au poste de procureur et il a été convenu que cette candidature serait la seule retenue. La candidature de Mme Bensouda a alors été présentée par 76 États-partis lors de la 10e session de l'Assemblée qui s'est tenue le 12 décembre. Mme Bensouda a été élue par acclamation pour une période de 9 ans. Bien que les États-partis continuent de tirer des enseignements de la procédure que je viens de décrire, je suis sûre que nous avons réussi à trouver et à élire un procureur jouissant d'une haute considération morale et disposant de solides compétences. Ayant exercé à partir de novembre 2004 à la fonction de procureur adjoint de la Cour chargé des poursuites, Mme Bensouda a été en première ligne des grands combats menés par la Cour dans les premières années de son existence.
Permettez-moi de saisir l'occasion qui m'est donnée pour adresser mes félicitations à Mme Bensouda au nom de l'Assemblée des États-partis pour son effort et sa prise de fonction et pour réitérer mes renseignements pour le travail qu'ils ont accompli et le temps qu'ils ont investi à mon prédécesseur, M. l'ambassadeur Christian Venavesser, au prince Zeid Raad El Zeid El Houssan, qui a assuré la fonction de coordinateur du comité de recherche, et à tous les membres de l'Assemblée qui ont contribué à faire émerger un consensus. Alors que nous célébrons le 10e anniversaire de la Cour et que le nouveau procureur s'apprête à entrer en fonction, j'aimerais rendre hommage à Luis Moreno Ocampo pour le courage et la passion dont il a fait preuve dans l'exercice de son mandat, tout en s'employant à façonner la Cour et son image et à faire connaître son action auprès de la Cour internationale et à la placer au centre de la lutte contre l'impunité. Je suis persuadée que la même passion et le même dévouement marqueront le mandat du deuxième procureur. C'est un plaisir de voir une femme africaine déterminée, animée d'une inébranlable absence de responsabilité envers les victimes des crimes les plus odieux, y compris les crimes à caractère sexuel, assumer ce poste clé dans la justice pénale internationale. Alors que Mme Bensouda s'apprête à prendre ses fonctions, la Cour est une institution solidement établie qui vient enfin de rendre son premier verdict et a presque achevé son premier cycle judiciaire. La Cour est saisie de 15 affaires dans cette situation, parmi lesquelles figurent deux renvois par le Conseil de sécurité de situation concernant des États non partis. Les premières années ont été particulièrement difficiles pour la Cour. Dans sa deuxième décennie d'existence, de nouvelles poursuites seront bien sûr engagées, mais la Cour devra aussi s'atteler à rendre justice plus rapidement. Les États et la Cour devront trouver les moyens d'accélérer les procédures judiciaires. Parmi les défis qui nous attendent figure la ratification universelle du statut de Rome. Lentement, mais sûrement, nous continuerons à travailler en vue de cet objectif et d'œuvrer à un consensus sur le fait que les crimes prévus par le statut de Rome ne devraient jamais rester impunis. Dans la deuxième décennie d'existence de la Cour, il est à espérer que les États redoubleront d'efforts au niveau national pour enquêter sur les crimes prévus par le statut de Rome et en poursuivre les responsables présumés. Il est à espérer que l'action de la Cour commencera à être clairement perçue comme dissuasive. La Cour dépend de la coopération et du soutien actif des États partis. Les 121 États partis doivent défendre fermement l'intégrité du statut de Rome et répondre dans les meilleurs délais aux demandes de coopération reçues de la Cour. Les demandes et les obligations de coopération avec la Cour concernent également d'autres États. Quelques jours seulement avant la fin de son mandat, le procureur Ocampo a présenté un nouveau rapport sur la situation au Darfour, Soudan, au Conseil de sécurité des Nations Unies. La coopération entre celui-ci et la Cour, dans une situation renvoyée par le Conseil, laisse à désirer. C'est un exemple révélateur du type de difficultés auxquelles la Cour est confrontée en 2012. Dans un autre exemple de ces difficultés, qui est celui qui constitue la récente arrestation des collaborateurs de la CPI alors qu'ils étaient en mission officielle en Libye. Il est important que nous continuions à respecter l'engagement que nous avons pris de travailler ensemble pour lutter contre l'impunité des auteurs des crimes internationaux les plus graves. En tant que président de l'Assemblée des États-partis, je ferai tout mon possible pour garantir le soutien politique, diplomatique et financier des États-partis et pour favoriser un dialogue permanent entre la Cour, les États non partis et les différentes organisations régionales et internationales. Au nom de l'Assemblée, je souhaite à Mme Fatou Bensouda du courage, de la détermination pour mener à bien au cours des 9 prochaines années son mandat de procureur de la Cour pénale internationale. Merci, Monsieur le Président. Merci, Excellence. Nous allons à présent procéder à la prestation de serment. J'invite la présidence de l'Assemblée des États partis à superviser la prise de serment, la prestation de serment. J'invite Madame Fatou Bensouda à prêter serment. I, Fatou Bensouda. Fatou Bensouda déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de procureur de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement,
en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites. J'invite à présent Madame le procureur à prendre la parole. Madame le président et Monsieur le vice-président de l'Assemblée des États-parties, Monsieur le président de la Cour pénale internationale, Mesdames, Messieurs les juges, Madame le greffier, Monsieur le greffier adjoint, Monsieur le procureur Moreno Campo, Monsieur le conseil de la défense, Monsieur Keïta, Excellences, Mesdames et Messieurs. Avant toute chose, je voudrais dire que mes pensées vont aujourd'hui vers nos quatre collègues qui sont actuellement détenus en Libye, ainsi qu'à leurs familles et leurs amis. Le bureau du procureur, partie intégrante de la Cour, leur apporte son soutien et mène un travail acharné en vue d'assurer leur sécurité et leur rapide libération. Permettez-moi d'exprimer ma gratitude pour l'honneur que j'ai de continuer à servir la justice internationale en ce jour où j'assume officiellement la fonction de procureur de la Cour pénale internationale. Je suis touchée par les privilèges, la responsabilité et la confiance que m'a accordé l'Assemblée des États-parties et la communauté internationale au sens large. Je suis particulièrement reconnaissant de la confiance que m'accorde l'Union africaine et du soutien qu'elle a apporté à ma candidature. C'est à nouveau une preuve manifeste de l'engagement du continent à la justice internationale et à la lutte contre l'impunité. La seule chose pour laquelle vous pouvez tous rassurer, c'est que je serai le procureur de tous les 121 États parties agissant en totale indépendance et impartialité. La justice réelle n'est pas un système sélectif. Pour être effective, pour qu'elle soit juste, pour qu'elle soit véritablement dissuasive, le bureau du procureur et ses décisions ainsi que ses activités seront basées essentiellement sur le droit et les éléments de preuve. À son tour, les décisions de la Cour et celles du bureau du procureur devraient également être respectées et exécutées. C'est la seule façon qui nous permet de renforcer et de maintenir le système de la Cour de la justice pénale internationale créé par le statut de Rome. Cela exige les efforts de tous les acteurs au sein du système. Lorsque mon prédécesseur, M. Luis Moreno Ocampo, a commencé le travail du bureau en 2003, il avait auprès de lui deux membres du personnel, six étages vides et aucune affaire. Il est parti de rien pour développer des stratégies au niveau du bureau et des méthodes de travail. Il y avait des millions de personnes de par le monde qui se tournaient vers la Cour avec d'immenses attentes. Certains, animés de scepticisme, inquiets des prochaines étapes concernant l'indépendance et l'impartialité du procureur. Pendant que tout le monde espérait qu'on rende justice aux victimes d'atrocités massives, puisque rien n'était fait. Madame le Président, pendant que je reprends les rênes du bureau du procureur, la Cour se trouve dans une situation complètement différente. Je n'ai pas besoin de créer un nouveau bureau grâce au travail sans relâche de Luis Moreno Ocampo. J'hérite d'un bureau qui
est très respecté et qui fonctionne pleinement avec à peu près 300 membres du personnel provenant de 80 pays, 7 situations qui font l'objet d'enquêtes, 14 affaires devant les chambres, 7 enquêtes préliminaires et un verdict. D'une idée novatrice sur papier en 1998 à la justice pénale internationale que nous avons eue en 2003, nous avons à présent atteint notre 10e anniversaire et nous sommes devenus une réalité incontestable sur la scène internationale. Cependant, malgré tous ces succès, on ne devrait pas se reposer sur nos lauriers. Au moment où je prends la parole, des crimes massifs continuent d'être commis au Darfour. Joseph Kony et son armée de résistance du Seigneur continuent sans relâche ces crimes en Afrique centrale. Bosco Ntaganda continue d'être un fugitif. Au total, il y a 11 mandats d'arrêt qui ne sont pas exécutés. Si rien n'est fait, la justice ne sera pas rendue pour les millions de victimes de ces fugitifs. Aujourd'hui, la Cour est devenue une institution judiciaire mondiale qui fait partie du système mondial au sens large. Cependant, nous devons mettre l'attention sur la consolidation et sur la compréhension du rôle de la Cour et sa pertinence dans la gestion de la violence à travers son mandat qui vise à mener des enquêtes et à poursuivre et empêcher la commission de crimes massifs. La coopération et le support pour la Cour devraient être soutenus et renforcés par tous les acteurs. En ce faisant, nous ne devrions pas être influencés par les mots ou par la propagande de quelques individus dont le seul objectif est de fuir la justice. Au contraire, on devrait mettre l'accent sur les voix des victimes qui continuent de souffrir de crimes massifs. Le bénéfice de ce que nous ferons va constituer un grand prix pour la justice et va constituer un véritable outil de dissuasion et va permettre de sauver la vie de nombreuses victimes. Madame le Président, au moment où j'assume mon mandat, en continuant à consolider les pratiques actuelles, le bureau du procureur va aller de l'avant en ce qui concerne ses enquêtes et ses poursuites. Le bureau va également se pencher sur de nouvelles méthodes pour le recueil d'éléments de preuve pour pouvoir traduire devant la Cour les auteurs de crimes sexistes et de crimes contre les enfants, tout en assurant le respect des droits des victimes. Les enquêtes préliminaires vont constituer l'élément clé des activités du bureau du procureur et le bureau va continuer à assurer la clarté, la transparence et la prévisibilité dans ses décisions. Et sur la base des leçons tirées, le bureau a tiré des leçons de ces enquêtes menées à l'intérieur et à l'extérieur du bureau. Le bureau va améliorer ses meilleures pratiques pour améliorer son efficacité, tout en menant ses activités dans le cadre de son mandat, tout en respectant les décisions et les divisions des fonctions et responsabilités établies par le statut. Le bureau va continuer à travailler en partenariat avec tous les autres organes de la Cour, l'Assemblée des États parties, ainsi qu'avec ses partenaires de la société civile. Le respect de l'indépendance qui incombe au bureau du procureur et qui lui a été imposé par le statut devra être maintenu en tout temps. C'est ainsi que le système de Rome a été conçu et c'est ainsi qu'il devrait être mis en œuvre. Des efforts menés de concert vont permettre d'assurer son succès. Pour ma part, Monsieur le Président, Madame le Président, je suis prête à jouer mon rôle et j'espère que je peux compter sur les différents membres du système pour également jouer leur rôle. Je vous remercie. Thank you, Madame Prosecutor. Je vous remercie, Madame le Procureur, pour ces remarques. Ainsi s'achève la cérémonie d'engagement solennel du procureur de la Cour pénale internationale
conformément à l'article 45 du statut de Rome. L'audience est levée.